trading my share. Parce que on a la bise, oh Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, ezana bato yo ba marka ba époque, même dans le monde scientifique, ba philosophe ba marka ba temps, même dans le temps il y a église. Ezana bato ba marka ba temps na bango. Yangwana toko kimingi kolobela pe génération Josué. Ezana bato Josué bimisa ki balanda ki ye. Et ça n'a pas génération David. Balandi exemple à Makambo David à Salaki. Mais na son dit par l'esprit de l'Éternel. Le loto goki koloba génération parfaite. Parce que cet homme à chaque instant na maboko na ye, il a l'arme de l'évangile. Et à chaque instant que nous avons des annonces, que c'est le docteur parfait qui va se tenir debout pour parler de la part de Dieu. Na yoka kamote mananga esope la moto. Il faut que j'écoute ce jeune homme. Comme Jésus, à l'âge de 30 ans, 33 ans, il a bouleversé ce monde. Ce jeune aussi. Amemi maloba pote, lingo mananzambe zala éclairé. Ce qu'on dit, mimo limo yo, et kambie mo limo nanzambe. Nzambe, on a pu akokoti selo kamala mukatinae. Sans plus tarder. Tolingi tu yamba Moussaï Nanzambe docteur parfait. Naba acclamation nabiso. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Je te remercie. Parce que tu es bon. Tu as bien voulu nous compter parmi les restes par rapport à cette année.
ce que tu veux faire avec nous et en nous, encore ta volonté. Tire gloire parce que seul toi, tu la mérites. Au nom puissant Jésus, nous voici au devant de toi. Humblement, nous nous approchons pour te dire, parle-nous, bénis-nous, utilise-nous, et qu'à la fin, la gloire te revienne. Sois béni au nom puissant de Jésus, ainsi prie avec action de grâce. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom. Shalom. Excellence ministre des dieux, serviteurs, servantes de l'Éternel, distingués invités, en vous saluant, nous vous redisons encore meilleurs vœux. Pour cette année, nous ne cesserons de dire que le Seigneur nous bénisse et fasse encore au-delà de ce qu'il a fait. Nous nous sommes permis de vous inviter pour deux petites raisons. La première, elle est simple. Pour que de vives voix, pour que de vives voix nous puissions vous dire meilleurs vœux. On peut le faire par texto. Mais on a préféré organiser cette rencontre pour que dans la fraternité, nous puissions nous dire bonana. Et la deuxième raison, c'est qu'ensemble nous puissions, en disant merci à Jésus parce que nous sommes en 2014, nous puissions prier. Cette année, c'est aussi un fruit mûr que le Seigneur nous a donné. Or, tout fruit mûr doit être consommé. Mais parmi les fruits, la consommation diffère selon l'espèce. Et pour que nous puissions consommer 2014, nous nous sommes dit, pouvons-nous dire à Jésus, Père, Tata, mets tout ton amour sur nous. Tia, car nul de nous ne mérite quelque chose. Mais aussi nous puissions lui dire comme serviteur, Père, Maître, Tata, Molakisi, Kolo, fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Et en disant cela à Dieu, nous aurons aussi à orienter notre prière par rapport à certaines informations prophétiques. Car nous ne prions pas et nous ne servons pas un Dieu muet. Mais il nous parle. À chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons de prophéties par rapport à cette année. Mais si nous nous mettons ensemble, les meilleures choses arriveront. Et si nous prions aussi, les mauvaises choses ne s'accompliront pas. Parce que par la prière, nous pouvons changer les choses. La connaissance, la prédication, c'est bien. Mais le résultat est meilleur que tout. Les acrobaties que nous pouvons faire.
Et ce que nous réalisons nous justifie plus que tout ce que nous pouvons dire ou penser. C'est pourquoi je crois que chacun de nous a ses petits feuillets où nous avons présenté un peu notre vision de cette journée. Et l'esprit avec lequel nous l'avons organisé. Mais nous voulons exhorter avant de prier parce que c'est important. J'aimerais lire la parole de Dieu. Genèse 24 à 56. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen et nous rasseoir? Cette histoire que nous venons de lire se passe un matin. Le matin comme période de début d'une journée. Et le matin est une période très importante parce que il détermine la suite de la journée. Ce que nous faisons au début détermine la suite qui viendra. Et quand je parle du matin, je considère que le mois de janvier, c'est un matin. Par rapport à cette année qui commence, je considère que nous sommes à un matin d'une grande journée par rapport à l'Église. Nous avons besoin, comme ce matin-ci, de connaître les exigences pour mieux orienter nos vies au nos ministères. Un matin, comme tout autre matin, mais où les hommes se réveillent avec des dessins différents. Le matin de ton mariage est un matin comme tout autre matin. Mais simplement dans ton cœur et par rapport à ta vie, c'est un matin que tu as attendu très longtemps. Le temps reste le temps. Mais par rapport aux agendas, un temps devient précieux ou reste ordinaire. Si nous, Église, nous considérons ce temps comme précieux, il le sera aussi. Mais si nous le voyons comme ordinaire, une année qui s'achève et une autre qui commence, comme si c'est tellement un cercle vicieux, nous serons parmi les perdants.
Parce que chaque temps est attaché avec une tâche divine. Et ce matin-là, il y avait 4 personnes. Il y avait le serviteur ancien envoyé par Abraham pour une mission bien précise. Mais il y avait Laban, le frère de l'épouse. Il y avait aussi la mère, mais il y avait aussi l'épouse. Et cet épisode que nous lisons se passe entre ces 4 personnes. La Bible dit, après avoir mangé et bu, c'est que c'était une fête. C'était une réjouissance. Ils se sont réveillés le matin. Qui n'a pas cherché le poulet à la fin de l'année? Qui n'a pas voulu boire pendant la fin de l'année? Qui ne s'est pas battu pour que ses enfants s'habillent? L'effervescence de la fin de l'année. D'ailleurs, nous appelons cela bonne fête. Mais toute chose a un début et une fin. Nous voici au mois de janvier, qui est le matin après la fête. Nous voici au mois de janvier, où tout ce qu'on a mangé et bu devient un souvenir. Nous voici maintenant, les invités partis. Nous ne restons qu'avec notre responsabilité. Et ce matin-là, la Bible dit, c'est le frère et la mère qui commencèrent à parler. Ils dirent au serviteur, serviteur, reste là encore avec nous. Au fait, dans leurs paroles, ils ne parlent pas du serviteur, mais ils parlent de l'épouse. Laisse l'enfant, laisse la femme pendant quelques temps. Et le serviteur comprend, si la femme reste, moi aussi je dois rester. Le retard de la femme, c'est le retard du serviteur. L'avancée de la femme, c'est aussi l'avancée du serviteur. C'est que je suis en train de comprendre. L'état de l'église révèle l'état de serviteur. On ne peut pas avoir une église prospère avec des serviteurs médiocres. Et on ne peut pas non plus avoir des serviteurs riches dans une église pauvre. Cela n'existe pas. À moins que ce soit le pillage. Ce soit le vol. Mais dans les choses normales, dans l'ordre des choses, l'état de la femme révèle l'état et la condition du serviteur. Alors le frère et la mère dirent, serviteur, laisse la femme, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours. Et après tu t'en iras. Pendant le jour qu'on proposait, on disait au serviteur, si tu acceptes, tu seras à l'aise. Tout sera bien pour toi. Mais la réponse du serviteur, il leur répondit, ne me retardez pas. Ne me retardez pas. On est en retard que quand on a un rendez-vous dans les temps.
Si on n'a pas un rendez-vous dans le temps, on ne peut pas être en retard. C'est pourquoi je comprends ton voisin. Il n'a pas un rendez-vous dans le temps. C'est pourquoi il gaspille son temps. Mais toi, tu as un rendez-vous avec le temps. Tu as un rendez-vous dans le temps. Tu dois tout faire en fonction du temps. Afin que tu ne sois pas en retard. Car 2014, avant de commencer, Dieu avait terminé à remplir les tâches. Tout ce qu'il devait faire en 2014, il a écrit ça, il a arrêté ça. Après, il nous a permis à nous d'entrer dans 2014. C'est que nous sommes entrés dans cette année avec un agenda qui existe déjà, avec un programme déjà arrêté. Et c'est en fonction de ce programme-là que le serviteur dit : ne me retardez pas. Beaucoup de gens savent à la saison sèche il y aura beaucoup d'actions. Mais laisse-moi te dire, c'était les années passées. En cette année, si tu attends la saison sèche, tu seras en retard. Réveille-toi. La course a déjà commencé. Réveille-toi. L'année a déjà commencé. Réveille-toi. On a déjà commencé à compter. Il leur répondit : ne me retardez pas. Mais on lui demande pourquoi. Il dit : parce que l'Éternel a fait réussir déjà mon voyage. C'est qu'avant le retard, le serviteur avait lu la faveur divine sur lui. Nous sommes réunis ici parmi ceux qui ont bénéficié la faveur. Nous sommes un rassemblement de ceux qui ont la faveur divine. Ce ne sont pas tes dettes, ce n'est pas ta maladie qui peut me contredire. J'ai une preuve plus grande que le problème que tu as. C'est que tu es vivant. C'est que tu es vivant. Comme tu es vivant, c'est que tu as la faveur de Dieu. Comme tu es vivant, c'est que c'est Dieu qui a décidé afin que tu fasses quelque chose. Afin que tu fasses quelque chose. Chaque livre contient les connaissances. Mais à la fin, il y a une table de matière. On ne peut pas faire une table de matière alors qu'il y a un nouveau chapitre qui veut s'écrire. Alors qu'il y a un nouveau chapitre qu'on veut écrire. Et ce chapitre-là, c'est 2014 est un nouveau chapitre. On n'a pas encore clôturé avec toi. On n'a pas encore clôturé avec toi. Lis avec moi. La faveur de Dieu est sur moi. J'ai été malade. Tu as été malade. J'ai eu des problèmes. Tu as eu des problèmes. Mais j'ai vu. Me faire réussir. Me faire réussir et m'introduire dans cette nouvelle année. Alors ne me retarde pas. Ne me retarde pas. J'ai des choses à faire. Parce que Dieu m'a dit : tu ne mourras pas pour faire des choses. Ne me retardez pas, parce que je vois Dieu en train de faire réussir ma vie. Quand tu me dis comment,
Mais les païens aussi sont vivants. La faveur divine n'est pas seulement la protection. Mais quand la faveur vient, tu as en toi quelque chose. On attendait que tu achètes des voitures. Tu as déclaré acheter des maisons. Ça ne s'est pas réalisé. Tu te sens abattu. Mais écoute-moi. Quand je te regarde bien, je vois Dieu mettre sa faveur sur toi. Non pas à cause de l'argent, à cause de la vision que Dieu t'a donnée. À cause de la vision que Dieu t'a donnée. Si tu es entré en 2014, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Et pour montrer que c'est Dieu, il t'a donné un projet. Il t'a donné un projet en cette nouvelle année. Quand je suis vivant, quand j'ai la vision, c'est que Dieu veut encore faire avec moi. Je peux tout manquer, même si mon habit reste chez Potiphar. Mon habit reste chez Potiphar, mais la vision, c'est ce qui te permettra de traverser les vallées, de traverser les montagnes et de changer les choses en cette année 2014. Est-ce que Dieu m'aime? C'est que moi je vis. Comment je peux dire que Dieu m'aime? Plusieurs personnes, quand je les regarde, je les vois meilleurs que moi. Mais ce que tu ne sais pas, les souffrances de ta vie, c'est les fumiers. Ce sont les poubelles. C'est l'engrais qui permettra à ta grâce. Qui permettra à ta grâce. Qui permettra à ta grâce de sortir, de se manifester. Parce que on t'appellera une étoile. Une étoile. Or l'étoile. Or l'étoile. N'aime pas le soleil. N'aime pas la lumière. N'aime pas la clarté. J'attends la confusion afin de démontrer mon ministère. J'attends la pauvreté afin de démontrer la grâce financière. J'attends la maladie afin que les guérisons se manifestent. J'attends les problèmes afin que je me lève. Tout le monde le dit. Ça ne va pas. Mais quand tout le monde dit ça ne va pas, on jette la pierre aux dirigeants. On dit toujours, ce sont les dirigeants. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Quand les chefs sont sans force, c'est que la maternité de Déborah commence. Quand les leaders n'arrivent pas à faire des choses, c'est que Déborah veut se manifester. Laisse-moi te dire, ton attitude et ta lecture des choses peuvent te permettre de dire tout temps est favorable pour moi. Tout temps est favorable pour moi parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi pendant ta vie. Le serviteur a compris que Dieu me fait réussir. C'est que bien aimé, si tu ne comprends pas que Dieu est en train de t'ouvrir, tu peux bloquer l'action de Dieu.
Notre grand problème, c'est comprendre. Et il est dit maintenant, comme j'ai compris que Dieu me fait réussir, j'aimerais vous dire, ne me retardez pas. C'est que les pièges ont été proposés aux serviteurs. Mais dans un langage humain, bonne proposition. En 2014, il y aura beaucoup de pièges. Mais tout piège n'a pas d'épine. Manga ba sende to lia kango. Mais ça, bambou, mamousou, ça n'a pas sende to lia raté. Il y a des pièges sans épines. En cette année, il y en aura. Comprends mon frère. Comprends ma soeur. Afin de déjouer les pièges. Qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est que quand nous ne comprenons pas le temps dans lequel nous sommes, nous allons tomber dans les pièges par rapport à notre destinée. Et la première forme de ce piège, c'est la fête. On ne lui a pas dit reste pour qu'on puisse jeûner. On lui a dit reste encore. C'est que tu es notre hôte. Tu es notre invité. On te mettra dans les très bonnes conditions. Mais toi, retarde seulement ton voyage. En cette année, il y aura des ouvertures. Appelées ouverture connexion. Mais dans lesquelles on aura un seul objectif, retarder les plans de Dieu dans l'église. Je suis en train de voir quelqu'un qui ne veut pas démissionner. Et il y a impossibilité qu'il puisse aussi signer les contrats dans un deuxième travail. Exact. C'est ça Dieu. La fête, Moloulou, ce sont les bonnes choses. Mais qui n'ont qu'un seul but, la distraction. Et si tu suis ça, tu perdras le temps dans ton ministère. Quand je dis ça, Jésus me dit, tu as raison. Parce que quand j'ai affecté la femme samaritaine, on m'a reçu à Sichar. J'ai fait là-bas quelques jours. Après, je voulais aller à Galilée. Les Samaritains m'ont dit, reste encore avec nous. Reste encore avec nous. Mais je les ai regardés. Et j'ai dit, avez-vous la promesse de mon élévation? Pour que je reste ici, laissez-moi partir à Galilée. Parce que c'est là où il y a les promesses. C'est là où il y a la vision. Jésus n'est pas appelé l'homme de Samarie. Mais il est appelé l'homme de Galilée. Lève-toi là où tu es. Va à Galilée. Ne te fais pas retarder par des petites choses. Même si ça réussit. La distraction. Je suis en train de te dire, il faut avancer parce que le meilleur reste à venir. Jésus n'a pas fait ça. Mais il y a un serviteur de Dieu qui a fait ça. Un lévite. Dans Juge, vous le verrez. Il est allé prendre sa femme chez son beau-père. On lui dit, attends demain, il attend. Il attend demain, il attend. Attend demain, il attend. Et quand il est parti, il a rencontré un grand désordre sur le chemin.
Pourquoi il restait? Parce qu'on lui donnait à manger et à boire. On lui donnait à manger et à boire. Il oubliait que le sage a dit. Malheur à ce pays-là. Dont le prince se lève le matin pour chercher à manger et à boire. Malheur à nous, église. Si chaque matin, l'homme de Dieu ne réfléchit que le manger et le boire. Malheur à l'église. Si ce leader ne voit pas l'idéal, mais s'abaisse aux choses matérielles. Mais la Bible dit : heureux ce peuple dont le prince mange au temps convenable. Mange au temps convenable. Si le temps convenable ce n'est pas aujourd'hui, ferme ta bouche, commence à continuer à travailler. Si ce n'est pas aujourd'hui, le temps de voyager, continue à labourer ton champ. Si aujourd'hui ce n'est pas le temps que tu achètes des maisons, garde ton cœur pur, continue à servir Dieu. Au temps convenable, tu vas manger. Tu vas manger. Pas seulement tu vas manger, mais la Bible dit, pour avoir la force de travailler. C'est qu'il y a d'autres qui ont mangé mais qui ont perdu la force. Il y en a de ceux qui ont mangé, malheureusement qui ont perdu la force. Ce que je suis en train de te dire, le siècle présent te présentera beaucoup de choses, mais que ta priorité soit la mission, que ta priorité soit ce que Dieu t'a demandé. Et quand ces choses viennent, réponds à ces gens-là, ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Il y a de grandes choses qui m'attendent. Le retard ne vient pas seulement par les bonnes choses, mais le retard peut venir aussi par des mauvaises choses. Les difficultés aussi font partie du brouillard du voyage. Ça t'empêche d'avancer. Ça te bloque. Ça aussi, ça retarde les gens. Et quand je dis ça, nous sommes plusieurs qui nous retrouvons dans cette situation. C'est que nous voulons avancer dans la mission. Mais les difficultés. D'ailleurs, dès lors qu'on commence à parler des difficultés, le voisin nous comprend directement. Moi aussi, on vient de me chasser. Je cherche la garantie pour l'église. Chacun de nous se retrouve dans une situation de difficulté. Ce qui fait que on se dit, vaut mieux attendre que d'avancer. J'aimerais bien avancer. J'aimerais bien faire des croisades. Mais les moyens. Ça, c'est une réalité que nous avons. Mais j'ai une réponse. Frère, Dieu ne donnera pas l'argent. Il ne te donnera pas l'argent. Parce que ceux qui font ce que toi tu ne fais pas, Dieu ne leur a pas donné l'argent. Amen. Akitakata pesa.
Alors si tu es en retard, c'est que quelque part il y a des versets que l'on n'a pas lus. Je vois Jésus en train de traverser la mer avec ses disciples. Il leur dit: gardez-vous de levain des pharisiens. Alors il se dit: c'est parce qu'on n'a pas pris de pain. C'est parce qu'on n'a pas les moyens. C'est parce qu'on n'a pas de partenaires. Jésus leur dit: qui vous a fait croire cela? Êtes-vous encore sans intelligence? Quand il y avait 5000 personnes, avaient tous mangé oui ou non? Avec combien? De pain, de pain, de poisson. 5 pains. Bam. 2 poissons seulement. Mais j'ai nourri une multitude. Je l'ai fait à 2 reprises. Mais pourquoi vous manquez une confiance absolue en moi? Que je ferai encore. Frère, osa la croisade na martyr. Osa la ngona kwa balabala na ngbino. Ego zalaka na ba douleur d'enfantement. Ba passe ya kobota. Yo mokondo kopona. Oyo wapelungo sala. Petango ko sala ngo na suko omuna ko kufinote. Okufate. Pona nini ko kufate? Parce que tu as en toi la chose de Dieu. Et la chose de Dieu attire les moyens, crée les moyens et touche les gens. Amen. Beaucoup disent: comment je ne peux pas être en retard? Ceux qui sont en avance, ils sont en avance parce qu'ils ont des moyens. Pierre me dit: non, devant les paralytiques, qu'avais-je dit? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de compte en banque en Suisse, je n'ai pas, mais ce que j'ai, peut me faire faire plus de choses. Devenir trop intelligent et rationnel dans les choses de Dieu. Trop intelligent. Tu veux un budget. Tout est réuni avant de s'engager. Bien aimé, laisse-moi te dire, le plus grand serviteur de Dieu qui connaissait sa mission est venu sur terre sans habit. Nzambe azotinda Yesu na mokili. Aibisie na kopio elambate. Soyez mon limon à repèse, mais l'ambate, au robot tamara bongo. C'est qu'à soyez bisénini. Tango robanda, au rokuta bilamba kuna. Tango ro continue, au mon partenaire kuna. Tango ro kende baro fourole le porte kuna. Tango ro avance, au mon à Pierre et Jean. Tango ro koufa na retouche le Joseph d'Arimate. Je n'ai pas de moyens. C'est une excuse. Tu as la volonté. Tu as la grâce. Avance en cette année et Dieu ouvrira des portes. Manque de moyens peut aussi te faire retarder. Et d'autres aussi disent: j'ai des moyens, mais je manque de relations. J'ai demandé à Jésus. Jésus à la croix. Pour que tu ressuscites, tu avais besoin de qui? Il dit: non, j'avais besoin seulement que l'esprit qui ressuscite soit en moi. J'ai dit: les brigands, ce sont eux qui ont profité de moi, mais moi je n'ai rien eu d'eux. Frère, pour grâce na panza no koma belbila kanyonso wana besoin moli moga oya katino. L'idée à connexion sur le kiro mononie kosa mutandambu faut pas compléter na yebiso za mutu mobimba.
basala o yakokoka basala o nakiyo pe nakiyo wana bo kende musika. Je manque de relations. Comment je peux avancer? Mais oui, écoute Jonathan. Jonathan a dit, l'Éternel, l'Éternel est capable d'agir avec un grand nombre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais il est aussi capable. Il est aussi capable d'agir avec un petit salement, avec un petit salement, avec un petit salement. C'est pourquoi le Jésus qui a appelé les gens et aussi le Jésus qui a dit aux autres, restez là, j'irai seulement avec Pierre, Jean et Jacques. Sinon, tu auras le retard. Et le serviteur dit, voici les deux pièges. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Ces deux choses seront en cette année 2014. Mais le souci de Dieu, c'est que le serviteur a cette attitude de dire, ne me faites pas retarder parce que Dieu me fait réussir. C'est que l'exigence de 2014, l'exigence prophétique, c'est quoi au fait? C'est que selon moi, Dieu nous demande par rapport à ce serviteur de savoir prioriser, rendre priorité la mission que nous avons. Et pour cela, la première des choses, travaillons selon la mission. J'aimerais juste dire en une minute ceci. La majorité que nous sommes ici, nous travaillons. Mais nous avons une petite maladie dans le style de travail, surtout pour nous, les Kinois ou Congolais. Nous travaillons plus la forme que le fond. Nous ne faisons jamais le travail de fond. Mais nous nous limitons au travail de forme. Il y a un conférence. Forme à conférence, mais na kati mate à croisade. Au mon appel, moussous a zubino, memibino libanda. Banderole, panneau, na publicité, lobby, croisade. Mais tant au boye, séminaire et église. Mingi, to travaille fonte. Et ça, au bon an, attend au lobby, calme, boy. Et abisson, abisson, bon an. To travaille à ka mingi fonte, to travaille à ka forme. Ce qui fait que mutu oza na église ba tondi bo oza na esengo mais fond atap et tondi na ba pagano et lobi logote. Si nous voulons travailler, travaillons au fond et non la forme. Pourquoi? La Bible me dit, tout travail que vous ferez passera par l'épreuve. Et pose-toi la question, pourquoi le papayé ne résiste pas beaucoup? Lidusuna Il faut que mon pépé ça nini.
Le travail selon la mission doit être un travail de fond. En cette année, bayi na na bango yo ba mono na mirte, mais ba lembo na katia mitema. Ba lembo na katia mitema, kota na katia batu, lo na bongisa, ata ucha fishi mogote, mutako botolo musala anazate. Posoko cha 10,000 fishi, mutako cha 12,000 alekiyo. Soko sali, oloko nyo soko sala, mutuwa sali ko leka, mwa ko leko, me soko koti na motema. Poba bimisayo, ege simba te. En cette année, Namboula, oh, que ceci soit aussi une exigence prophétique. Pourquoi? Bonani. Parce que tout le monde est intelligent pour dire à Samson, toi tu ne comprends pas le ministère. Les ennemis t'attaquent. Au lieu de chercher les armes, toi tu vas dans la forêt. Il cherche les renards. Quand il cherche les renards, quand il les met ensemble, tu vas avancer dans le ministère. Mais tant que tu es mort, tu vas avancer dans le renard. Le renard va bandir Moussala. Il va bandir avant Nathan. Un travail de fond. C'est un travail de formation et de multiplication. Un travail de fond. C'est un travail de formation et de multiplication. Mais, deuxièmement, quand on travaille, écoute ce que le serviteur dit. Ne me retardez pas, je dois partir. Pour aller où? Il dit, vous voyez tout ce que j'ai fait ici. Vous m'avez vu. J'ai beaucoup d'argent. J'ai payé la dot. J'ai tout fait. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en moi, il y a un souvenir. Je me souviens du serment de la cuisse. Plusieurs, nous avons trahi les serments du ministère. Tout ce qu'il a fait, parce qu'il avait peur du serment qu'il avait fait. Est-ce que tu te souviens du serment de ton appel? Est-ce que tu te souviens de ce que tu t'es dit avec Dieu avant de commencer? Est-ce que tu lui as dit que même si tu ne vois pas très bien, tu y partiras ou tu resteras pour voir clair? Est-ce que tu lui as dit quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Serviteur de Dieu, en cette année, souviens-toi du serment que tu as fait avec Dieu. On peut prendre des pierres pour te lapider. Ne te préoccupe pas de ça. Va au Jourdain, là où tu as entendu la voix, et Dieu te redonnera la force. Où est-ce que tu as placé les serments? Tu as dit à Dieu, tu seras mercenaire ou tu seras serviteur. Tu lui as dit que tu seras le patron de ses enfants ou tu seras le serviteur de ses enfants. Tu lui as dit, tu feras des choses que tu veux ou que lui te dira. Où sont les michés? Ceux-là qui peuvent dire, je ne dirai que ce que l'Éternel me dira. Laisse-moi te dire, à moins que tu ne sois pas serviteur de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, il n'y a personne sur terre qui peut te rendre riche si ton Dieu ne lui a pas permis de le faire. Alors accroche toi à ce Dieu là, parce que même si on ne veut pas t'ouvrir, il y aura un corbeau que lui dira pour toi. Mais souviens-toi du serment.
Si je me souviens de ça, ce que je me dis, il y a beaucoup de fils de prophètes à Gilgal, à Jéricho, à Bethel, au bord du Jourdain. Mais si à moi on m'a jeté les manteaux, écoute ce que celui qui m'a jeté les manteaux m'a dit. Fais vite, car pense à ce que je t'ai fait. Kanisa na oyo na salela kiyo. Se katike bela ponio, aponio pambate. Soke zaki po aluka bato pona bato a bien. Matika bango ya e bongo serment ngozo trahir ango pona. Si je me souviens de ça. Soki na kokanisa kana yango. Et quand j'arrive au point où je me dis. Pete na zolo bana musuka na zolo ba. Wana Saint-Esprit au pesa ngate wapena ministère au pesa ngate. Se ke fanda na biloko nonyo so tikanga na Saint-Esprit na ministère. Soko pesi ministère valeur te ministère zana musala te zangolu soko pesi ngo valeur te bato yo kanisa bae na vino basunga ba osakana nao bago sakana nayo tikanza mbatombola bato du néa matisa bango po ba encourager bato mususu escalier za pona badana mapapute. Sokoza ma papa na tin escalier te. Lukaka mu pepe ya makasi beto romata. Si tu te souviens. Soko okanisaka. Il y a un deuxième, un dernier point pour compris. Ezana litona suka pona sisa. Courir vers la récompense chez Abraham. Koki mambango epai na lifute epai na abale ama. Tout ce que le serviteur a fait, il savait. Ayebaki. Si j'arrive à rentrer. Soki na komi na bokote li. Chez Abraham, avec la femme, j'aurai une récompense. Mais tout ce qu'on me donnait chez la femme, c'était des encouragements. Ne confonds pas. La récompense, ça se trouve chez Dieu. Sur terre, nous n'avons que des encouragements. Même quand on t'achète une maison, ce n'est qu'un encouragement. Même si on te donne un avion, ce n'est qu'un encouragement. Mais la récompense t'attend chez le Père Abraham. T'attend chez le Père Abraham. Et à cause de cela, cours, fais vite. Car en faisant ainsi, tu es serviteur comme les autres, mais tu seras confirmé comme l'intendant des autres. Un bon serviteur est toujours élevé au-dessus de ses collègues. Un serviteur fidèle a toujours une certaine confiance différente des autres. Mosali ya sembo batu batiela ke motema ko lekandenge bakotiela basali musu motema. Ne te contente pas d'être serviteur, cherche à être fidèle, bon et loyal serviteur. Ko sepela kaka te ozala mosali ndimaka pe ozala bon pono ozala sa peki mwana. C'est pourquoi Jésus a telle grandeur. Parce que il n'avait que 3 ans. Il ne s'est pas donné de distraction. Il a dit à Hérode, je chasse les démons aujourd'hui. Je chasse les démons aujourd'hui. Je chasse demain. Et après demain, je termine, je pars. Je n'ai pas le temps pour les distractions. Tout ce que tu dois faire, remets la mission sur le champ de tir. Et avance. Mais il y a un petit secret que Jésus m'a donné pour la grandeur en cette année. Jésus a travaillé 3 ans. Après, il est mort. Mais
Kasi, il n'a laissé que dans les 120 personnes. Aujourd'hui, il est grand pourquoi? Je crois non pas à cause de l'histoire de Jésus, mais à cause de la réalité de l'Église. Si l'Église n'était pas active et vivante, l'histoire de Jésus serait comme l'histoire de Napoléon, de Hitler et de Socrate. Toutes ces personnes-là ont fait de grandes choses. Ont même laissé plus de disciples quelquefois que Jésus. Mais l'Église n'a pas seulement donné, ne s'est pas seulement donné la peine de dire le nom de Jésus, mais de démontrer la vie de Jésus. Ainsi Jésus est le plus grand de tous les grands. Mais je lui demande, quel est le secret? Il me dit, écoute l'exigence prophétique. Quand j'ai travaillé 3 ans, j'ai affecté tout le monde. J'avais la renommée. Mais j'ai compris que succès plus succès est égal à succès au succès à succès. Succès plus succès est égal à succès et au même moment succès au succès est égal à succès. Nous avons un succès, balia rangote, batonga un succès. Succès à loi mon pépé. Abiti kana tonga, na landaga un succès. Na luke loko eko tika la tango succès nanga nga na oké nango. Naibise bongo loko angoni na biyo money église nengo tei bangwa na église tango ego zala ego sala bikama me église angona ni abanda kyango. Église ango nani muta teya muta liboso po église banda. Batunyo so abi Pierre. Abi bongo Pierre ango tala e bien. Pierre eza nani? Pierre eza muta wangana anga. Pierre eza muto ya wangana ginga. Pierre eza mutu oyo alobaga linginga ma wanganinga. Nga bi menkolo olingolo yebisa nga nini? Abi nana yebisa yo boy. Yebisa ba pasteur. Batu mingi bazo koma minene te po ba limbisa te bato ba trahisa bango. Yango wana mwayen batu wana ba zonga ba tombo la bango ezate. Soki Yesu alimbisa ka Pierre te mutalinga te na Pentecote azala kite. Soki Yesu alimbisa ki Pierre tembe musala na ye etele maki. Moto asaliye maba wanganiye elongo lingolu na kati na ete ya goteya na kati ya Pentecote. Yangwana fandia lobi asalanga mabe na 2013. Aswisa mutema nanga pasi na 2012. Me place nazo kende na roza na bezwen na ye. Na tongwa lelo na limbisiye. Na tongwa lelo to limbisana. Amen. Na tongwa lelo limbisa parce que Pierre soko zwa ki Jean otie wana kalikre ka na Pentecote. Soko ba tie Jean teya. Or Jean mate ya na sima po Apocalypse ya après. Asalanga mabe mazana mate ya po na ko avancer na ministère nanga. Asalanga mabe me azana mutema ya ko supporter église tsokinga na zate. Asalanga mabe me ayebi ko kumisa lotombo na ngai. Asalanga mabe me pona ko soutenir musala azalaka facile. Asalanga mabe mazana mayele pona ko coacher ministère nanga. Mukolo wana Yesu ayebi sa lobi na limbisio parce que to suka awanga na yote. Olingo kangela mutu kanda a condition azala Juda. Mais suka za Juda te. Oza pe na ba preuve te kaza mwana li bebi. Lobio ko oza na bezwen na ye. Or po lobio profite na ye. Lelo. Exigence po koma mounene. Limbisa ye. Tozala mate e bele ya kitoko. Mais souvent resulte za te. Po to pratika kabilo ko simple wana te. To lingi to limbisa.
Limbisa parce que liboso eza mulayo ye biangote. Et j'ai compris que toute pierre azoteya, azo bete fimbo azo boya. Abina ko tikate po ebika abina salata boye. Po tamso alimbisa nga bien tamona ke nazongi fidèle. Moto yo limbiso zui makasi likolo na ye. Moto yo limbiso komi makasi koleka ye. Moto yo limbisi akolisio sans que yo moko yeba. Na tongo na lelo tolingi tolimbisa tokoki ko travailler tokoki ko sama makambo ebele mais soki mitema na biso eza na masusa eza na ba problème na année oyo nzambe alobaki na biso eza année ya musielu oyo mipepe ya mabe mingi ekoya mpo na basali na nzambe mais je crois que quand nous sommes clean nous sommes purs donc toza peto Dieu nzambe fera que nos bouches déclarent comme Gédéon, comme Daniel. Roi, n'aie pas peur. Je suis innocent devant mon Dieu et devant toi. Ainsi, les griffes des lions ne peuvent rien contre moi. Si nous sommes innocents, Dieu ne nous abandonnera jamais. Pardonnons-nous comme lui nous a pardonné. Il nous a introduits en cette année. Il nous a amenés devant lui afin de faire de nous plus que ce qu'il a fait. Mais derrière nous, nous avons laissé plusieurs personnes. Nous voulons leur dire: je vous pardonne. Venez continuer ensemble. J'aimerais dire à quelqu'un: qu'on ne te fasse pas retarder par des projets, par des propositions inutiles. C'est lui qui t'a donné le ministère. T'a aussi préparé pour la grandeur de ce ministère-là. Attention, on te dira: reste encore quelques jours. Fais comme ça, moi je t'ouvrirai. Tu oublies qu'il y a un temps pour tout sur terre. 2014, tu ne peux pas attendre l'autre. Fais ce que tu veux faire et que lui fasse ce qu'il veut faire et qu'ensemble Dieu glorifie son nom. Le Dieu de la Bible nous a dit: rassemblez-vous, priez. Serviteur de Dieu, nous sommes venus pour prier aussi. Nous avons invité les gens pour que nous apakole salité po bato fo ba landa pa bika bakimaye et soke sala melio ozala décourager pour okimayo moko mais soki to sambeli ensemble nzamba ko kimisa biso mabewana soki to sambeli ensemble nzambe na bon moy o aloba ke église oyo je bâtirai agotika motote munoko moko te nguya moko te régime moko te pouvoir moko te puissance mon côté, maison mon côté, secte mon côté, loge mon côté, et tel est maliboso ya église. Loba osa na église ya Yesu Masia te. Soko osa na kate église ya Yesu Masia kobanga te. Mayo ezo mata e kota na kati te za arche. Mayo ezo ningi seko sale loko te toko za likola ngomba. Kobange loko te. Ndako yosa na kati nango atezo kaba mire ekwea. Yango kwea teza ndako arabe. Personne
ne peut arrêter ce que Dieu a prévu à faire dans l'église. Personne ne peut retarder le plan de Dieu dans son église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous comprendre cela. Afin que chacun de nous, nous puissions nous lever comme des braves et proclamer la vérité pour que l'église puisse avancer. Car si nous retardons, nous faisons retarder l'église. Si nous avançons, nous faisons avancer l'église. Tant que nous avons fait des ponanda kwa gokota. Et bembende va poner la ke cimetière mais yose bembete. Tant que nous avons fait pour nos voisins, pour nos voisines, pour bemba go pona te soki ba go chaye wapi ba go bwa ke wapi. Mais toi tu as la vie. Tu es vivant. Tu as le ministère. Tu as la grâce de Dieu. Refuse ce qu'il faut refuser. Accepte ce qu'il faut accepter. Je suis venu te le dire. Tu as la responsabilité de l'avenir de ton ministère. Mais pour l'avenir de l'église, lui-même et Jésus a la responsabilité. Et dans sa responsabilité, il a dit, je bâtirai. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce qui pour l'église est belle, aux luka ba konizwanga na zika. Ce qui pour musala pe mokano ne kokisama. Aux luka banani na kochapo moto baniko kauka zwanga bwanga na moto. Mais biloko ezala kata nzungwe bela. O eza mokano nzambe kokisama. O eza plan nzambe kokisama. O nzamba bongise kokisama. Ne me fais pas retarder. Plusieurs projets sont faits dans le monde des ténèbres, dans plusieurs loges, pour bloquer l'élan de l'église. Mais n'oublie jamais, ce n'est pas ton combat. Présente-toi seulement. Ton Dieu combattra pour toi. Ton Dieu combattra pour cela. Tout le monde peut bien parler, mais on ne peut pas acclamer tout le monde. On ne peut acclamer que c'est lui qui s'appelle Yehoshua Amashiach. Hérode a bien parlé. Hérode a bien parlé. Mais quand on l'a acclamé, Dieu n'était pas content. Église du Seigneur, en cette année, on veut détruire les vrais serviteurs de Dieu. En cette année, il y a un esprit de sacrifice qui tourne autour de l'église. Si tu ne te lèves pas, qui dira à ce vent-là? Lance tes doigts. C'est que le vent a parlé. Il est temps de nous lever. Et dire à ce vent-là, silence tais-toi. Silence tais-toi. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes l'église du Seigneur. Même si nous crions à l'intérieur, même si nous avons peur à l'intérieur, c'est parce que notre Seigneur dort. Mais maintenant, il se réveille. Maintenant il se réveille. Maintenant il se réveille. Maintenant il se réveille. Pour dire, vent, vent, silence, tais-toi. En cette année, la main de Dieu est tendue. Ta force ne finira pas toute. Quand tu te sentiras affaibli, lui viendra te soutenir. Lui viendra te soutenir pour te dire, je ne te demande pas la force, je ne te demande pas l'argent, je te demande seulement d'avoir un cœur courageux. Un cœur courageux. Si tu as un cœur courageux,
livres de la Bible, tu utiliseras pour l'avancée de l'église. On veut te retarder, pourquoi? Plusieurs mesures sont pour te retarder. Plusieurs stratégies sont pour te retarder. On te dit tu n'as pas l'argent. Les situations deviennent difficiles. Mais ne regarde pas ça. Parce que tu n'as pas d'abord besoin d'argent. Tu as d'abord besoin de la volonté. Et si tu as la volonté, le Dieu de la Bible te soutiendra. Le Dieu de la Bible te soutiendra. Tu as peur du diable. Ne t'en fais pas. La force du diable peut donner l'argent, peut donner beaucoup de choses. Mais cette force est incapable de t'arracher la parole. De t'arracher la parole. Il a tué les enfants de Job. Il a tué la richesse de Job. Il a donné la maladie à Job. Mais il n'a pas changé l'évangile dans la bouche de Job. Il n'a pas changé le ministère dans la vie de Job. C'est pourquoi Ézéchiel dit, quand tout le monde pécherait et que moi Dieu, je voudrais le tuer. Je voudrais le tuer. Si parmi eux, il y a Daniel, il y a Noé, et il y a Job, et il y a Job, je souffrirai à cause de ces gens-là. Qui est Job? C'est celui qui a gardé le message. Qui est Daniel? C'est celui qui a gardé la pureté. Et qui est Noé? C'est celui qui ne s'est pas fait retarder. S'attendant au plaisir, mais qui travaillait sur ta priorité de construire l'arche. Ne me fais pas retarder. Ne me fais pas retarder. Même la maladie qui veut te faire retarder. Je dis à cette maladie, libère ce corps-là. Parce qu'il ne peut pas être en retard. Si nous sommes en retard, c'est comme si Dieu était en retard. Or, Dieu ne peut pas être en retard. C'est que toi aussi, tu ne peux pas être en retard. Ne me fais pas retarder. Car je vois Dieu en train de me faire réussir. Le diable voulait me faire échouer. Oui, mais nous voulons prier. Nous voulons prier. Moi, je crois à ta prière. Et j'ai besoin de ta prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Écoute ma prière. Seigneur Jésus. Merci pour tous tes bienfaits. Tout ce que tu as fait pour moi. Mais voici aussi mon frère. Voici aussi ma soeur. Fais que ta gloire éclate en moi et éclate en lui. Agis à moi et agis en lui. Parce que si tu me laisses seul, je ne pourrai supporter la gloire. Quand je vais perdre la gloire, le diable va gagner. Et plusieurs seront dans le mal. Mais fais en moi. Fais dans mon frère. Fais en moi. Fais dans mon frère. Agis en moi. Agis dans mon frère. Que nous puissions nous multiplier. Nous n'avons pas de nom à élever. Nous n'avons pas de personne à regarder. Toi seul tu mérites. Seigneur Jésus, fais de nous une équipe. Fais de nous une famille. Fais de nous un groupe de gens avec lequel tu vas vaincre. Seigneur Jésus, ne me fais pas retarder.
Toi Satan. Yo Satana. Toi maladie. Yo Bokono. Toi pauvreté. Yo Bobola. Ne me fais pas retarder. Ko umi sangaite. Ne me fais pas retarder. Ko umi sangaite. Adambola o na yo kolo. Iziva maina bela ko. Kolo mwinda moyo. Ziba maina bomo na tambola yawe ona yo kolo inosuka nelaka kolo winda nayo ekamanga kino na kokoma. Zabenanga, Nabila yo, Bisika nyoso, Nabelema, Penena yo, Niziba maina bombo, Yahweh, Yahweh, Zabenanga. La belle ma, belle na yo, iziba maina bonte, na bungi sa elika o, na bungi sa e, kodi bananga etangwa na yote, kolo. Sabe o singanga singanga ikolo bomanga yeso na golu na yo boyo kufela kinga yo na makila mayo kotera nga yeso. Il y a plus que ce que le monde veut t'offrir. Que rien ne te retarde. Que rien ne te retarde. Que rien ne te retarde. Jésus. Les enfants sont prêts. Bana, attendi. Les enfants sont prêts. Bana, babongi sami. Dans le ventre de leur mère pour sortir. Mais il manque la force d'enfanter. Père, je demande des cieux que la force d'enfanter, 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 que la force d'enfanter vienne maintenant et que ce qui est caché sorte, se manifeste. Et que rien ne le retarde. Que rien ne le retarde. Que rien ne le retarde.
Je prie pour l'église. Je prie pour l'église au Congo. Je prie pour l'église à Kinshasa. Je prie pour l'église à Tchango. Je prie pour l'église à Massina. Je prie pour l'église dans la salle d'Esdras. Père, nous te le prions. Que rien ne nous retarde. Que rien ne retarde mon frère. Que rien ne retarde ma soeur. Que rien ne nous retarde comme le corps du Christ. Que rien ne retarde nos ministères. Que rien ne retarde nos assemblées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, Kolo, tu as dit de ta bouche ce que tu as à faire, fais-le. Moi j'ajoute, fais-le vite et bien.